Hey Matelot, ici Defroy, aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel pour réaliser cette maison moderne sur Minecraft. Et c'est une maison que j'aime bien, qui était très contrastée, un peu comme ce que je fais en ce moment. Hop, et avec vous voyez des parties de la maison qui sont surpilotées, d'autres parties qui sont ouvertes comme ça, avec des grandes terrasses toujours, hein. Les terrasses, ça c'est la vie. Hop, voyez un peu ce que ça donne. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez dans les commentaires, hein, si vous voulez un jour voir la décoration d'intérieur de la maison. Et si vous êtes suffisamment à le demander, eh bien on le fera. En attendant, on va faire le tutoriel pour réaliser cette maison. Hop, et comme d'habitude, je vais vous donner le nombre de blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser la maison. Hop. Youp. Hop. Et donc du coup, pour la petite information, la maison que vous voyez ici, c'est la maison qu'on avait fait hier lors du tutoriel de la vidéo d'hier. Donc, bah voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. Et vous voyez ici, voilà, il y a le château aussi à côté. On le fera en tuto dans les prochains jours aussi. Celui-là, il n'est pas encore sorti. Bref, on va commencer la structure de la maison avec du bloc de quartz lisse. Hop, comme vous le savez, j'apprécie beaucoup ce bloc-là. Et donc, on va faire un pattern au sol déjà. Vous voyez cette forme-là dans le sol. Pour commencer, donc on va commencer par cette partie là, vous voyez, qui correspond à la partie là de la maison, d'accord. Hop, donc on va faire une ligne de quartz dans le sol entre ça et ici de 10 blocs de longueur, d'accord. Hop, sur le côté, entre ce bloc là et hop, jusqu'ici, on a 19 blocs de longueur. Hop, entre ce bloc là. Et celui-là, il y en a 9. On repart dans l'autre sens. Hop, entre celui-là et ici, il y a 10 blocs. Hop, entre ici et là, il y en a 9. Hop, on revient dans l'autre sens. Paf, entre là et là, il y a 19 blocs. Hop, on revient comme ça. Entre ce bloc-là et ici, il y en a 9. Et entre là et là, vous en avez 9. Et normalement, cette ligne-là, vous l'avez déjà. D'accord? Donc, une fois que vous avez cette forme, voilà, on va hop, enlever toute la terre qu'il y a dedans. Et on va la remplacer, vous voyez, par du quartz lisse. Ok? On fait ça sur toute la surface. Et hop! Voilà! Alors, une fois qu'on a ça, on va venir mettre les plateformes pour les étages. Ici, vous voyez, c'est la plateforme pour le premier étage, pour le deuxième étage et le toit au-dessus. On va, je vais vous montrer comment on va faire tout ça. En fait, c'est très simple. On va superposer le premier étage avec celui qu'on a déjà fait ici en dessous. C'est juste qu'on va compter, comme ça. 1, 2, 3 blocs d'espace ici et on met à partir du quatrième bloc le bloc de quartz au-dessus comme ça. Et voyez donc entre ce bloc là qui est complètement aligné par rapport en dessous, ici c'est pareil, complètement aligné en dessous, etc, etc. Donc sur toute cette ligne là, cette ligne là, cette ligne ici aussi, cette ligne là, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait en dessous. Pareil, cette ligne là-bas, là-bas, et il y a juste cette partie là en fait qui change. D'accord? Donc on reprend ce bloc là, du coup, qui est au-dessus de celui-là. Si vous regardez bien par rapport à la maison en général, hop, donc entre ce bloc là et celui-là, on va avoir 20 blocs au total. D'accord? Donc c'est différent de ce qu'il y a en dessous. Puis après, dans ce sens là, on va reprendre entre ce bloc là et ici, il y a 9 blocs. D'accord? Puis après, entre là et là, il y en a 10. On repart dans ce sens-là. Entre ici et là, vous en avez 10 aussi. Et là, on reprend la même chose qu'en dessous. Tac, 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 c'est pareil. Ok? On va faire directement le deuxième étage.
Donc, à partir de ce coin-là, on va compter 1, 2, 3 et 4 blocs pour mettre notre bloc de quartz ici. D'accord ? Donc, on va aller dans ce sens-là. Hop ! Donc, entre là et là, ça nous fait 19 blocs de long et vous êtes aligné avec la partie en dessous, là, vous voyez ? Donc, en fait, on va de là-bas jusque là, on enlève cette partie-là, par rapport à l'étage du dessous, bien sûr. Hop ! Donc, une fois qu'on est arrivé ici, entre ce bloc-là et celui-là, on a 14 blocs. Vous voyez, on est au-dessus de l'étage du dessous, on a dépassé, hein ? Donc, 14 blocs jusque-là. Dans ce sens-là, on va de là jusque-là à 9 blocs de longueur. Sur le côté, entre ici et là, c'est 5 blocs. Puis, entre là et là, c'est 19 blocs. C'est pareil qu'en dessous. Hop, entre là et là, c'est 9 blocs. Entre là et là, c'est 10 blocs. Ok ? Puis après, c'est la même chose qu'en dessous. Vous voyez, entre ici et ici, ils sont superposés. Hop, la même chose sur la longueur, pareil ici. Et hop, on va jusqu'au bout. Donc, on est bon. On va faire directement le toit, du coup, maintenant. Hop, pour reprendre un repère, le plus facile, c'est de prendre le repère ici. Vous voyez, donc, sur la partie qui dépasse par rapport à au premier étage. Ok ? Donc, ce coin-là. On va compter 1, 2, 3 et 4 blocs pour mettre notre premier bloc de quartz. Et à partir de là, youp, sur cette longueur-là, on a 19 blocs. Entre ici. Et là, du coup, on en a 9. Hop, entre là. Et là, il y en a 18. Et normalement, ici et là, on a 8 et donc vous devriez rejoindre la première ligne que vous avez fait. Ok, donc voilà ce que vous devriez avoir sous les yeux maintenant. L'idée, c'est qu'on va tout simplement boucher toutes les surfaces, hein, vous voyez. Donc, hop, on va remplir les surfaces ici, celle du dessus, là, ici, comme ça, également. Et le toit, bien sûr, sur toute la surface. Allez, hop. Et voilà. Donc j'ai bouché toutes les surfaces en question et j'ai aussi mis les emplacements pour les futurs murs. Vous voyez, donc pour l'instant c'est à ça que ça ressemble. Et j'ai aussi mis, vous voyez, des lignes de quartz par-dessus le sol pour mettre les futurs murs. Donc je vais vous montrer tout ça, hein, c'est pour faire, vous voyez, les grands murs là-bas, les grands murs du fond. D'accord, donc hop, on prend notre maison en face comme ça, on va sur cette ligne là, vous voyez, ok. Au niveau du sol, on met une ligne de quartz entre ici et là, hein, c'est-à-dire bien de cette façon, ok. Et on va les monter jusqu'au mur, jusqu'au plafond pour faire un mur. Sauf que ce mur là en particulier va être particulier justement. Hop, j'ai pas les dalles avec moi donc je vais aller les prendre. Ici, vous voyez, en fait, on va faire une ouverture de mur comme ça sur le côté. Le mur va être légèrement ouvert. Pour que ça fasse stylé, c'est tout, hein, il n'y a aucune autre raison. Donc, on va faire ici une ligne de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs. Et on va mettre des dalles au niveau du bas. Et vous voyez, ça nous fait déjà quelque chose d'assez sympa. Hop, on va sur l'arrière de la maison ici, vous voyez, et donc sur toute la grande ligne ici, on va rajouter des blocs de quartz sur toute la longueur pour pouvoir faire un mur, d'accord ? Yep, voilà comme ça. Ok, l'idée c'est qu'on va faire la même chose ici encore sur cette partie-là de la maison, hein, vous voyez, donc on prend toute la longueur de ce qu'on avait fait avant, hein. Tac tac tac, on remet des blocs comme ça et on les met jusqu'au plafond pour avoir ça comme ça. Ok, à l'étage du dessus, du coup, on va dans ce sens là vous voyez, et toute la longueur ici, eh bien on va faire un mur aussi. Hop, paf paf, voilà. Et pour cet étage, il y en aura un autre, du coup, qui sera en face, vous voyez, à ce niveau-là, sur la partie où il y aura un pilotis, la partie surélevée. Hop, comme ça. Ok. Et donc, pour cet étage, ça sera les deux seuls murs.
en quartz en tout cas. Donc juste en dessous le toit, au troisième étage, ou au deuxième étage si on compte le rez-de-chaussée. On va sur l'arrière, ici, vous voyez, et on met en dessous du toit, comme ça, tac, tac, une ligne de quartz comme ça. Et donc toute cette forme-là, on va la remplir avec des quartz, évidemment, des blocs de quartz. Ok, donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc c'est juste une grande forme de quartz qui a pas grand qui est un peu bizarre, mais ça va se faire, ça va le faire. On va prendre les escaliers et on va venir ici, vous voyez, sur la partie de la maison ici, tac tac tac, mettre trois blocs d'escalier comme ça sur le bord. On en met à l'envers, on en met à l'endroit, à l'envers et jusqu'au sol comme ça. Hop, ok. Donc pour monter à l'étage, et pareil, si on veut monter donc de cet étage là à l'étage du dessus, on va remettre des escaliers ici, vous voyez, pour avoir hop, l'accès, tout ça, hop, voilà, ok, donc là c'est bon, on a nos accès. J'ai mis les murs en place, donc je vais vous montrer comment on les met. Je vous invite à prendre donc le béton gris, du béton gris comme ça, vous voyez. Et donc on va sous l'escalier ici, on prend le coin à ce niveau là, on met en diagonale un bloc, ok, et on va partir de là pour mettre les murs du rez-de-chaussée. On va faire une première ligne de trois blocs de béton, d'accord. On va laisser deux blocs vides pour la porte et trois blocs de béton pour coller jusqu'au mur. On va, hop, sur le côté ici, on met deux blocs de béton derrière. On va laisser quatre blocs de vitres, cette fois-ci, pour pouvoir mettre des fenêtres, d'accord. L'idée étant que tous les blocs que je vous montre ici, il faudra les mettre jusqu'au plafond, les prolonger jusqu'au plafond pour faire les murs et les vitres, et les fenêtres. Hop, à côté de la fenêtre ici, hop, entre ce bloc-là et ce bloc-là, on va mettre un mur qui fait 8 blocs de longueur, d'accord. Donc on va laisser deux blocs d'écart pour mettre une porte et on va mettre ici un autre bloc pour finir le mur ici, vous voyez. À côté de ce bloc là, on va mettre deux blocs de béton gris ici comme ça. Ok, on va laisser deux trous pour une porte et trois blocs de béton pour rejoindre le mur. Ok, donc on revient ici, on va aller de l'autre côté, on remet deux blocs à côté, d'accord. Hop, on va comme ça et on met trois blocs comme ça. Ici, on va laisser trois blocs d'espace où il n'y aura rien pour la porte, et on va mettre ici jusqu'au mur quatre blocs de béton. Ok, maintenant il nous reste cette ligne là, d'accord. Donc on va ici comme ça, vous voyez, donc on est sous la partie de la maison qui est surélevée. Donc on prend le coin, on met un bloc derrière ici et on fait une ligne de quatre blocs de béton. On va laisser une ouverture de trois blocs pour la porte. Et on va remettre une ligne de béton jusqu'ici de 6 blocs. On va mettre des vitres sur 3 blocs. Et on met 2 blocs de béton. Et l'idée maintenant, c'est que tous ces blocs-là, on les monte jusqu'au plafond. Hein, tac, 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 tac. Ainsi que les vitres aussi, bien sûr. Hein, comme ça, hop, 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 pour faire des fenêtres. Et on fait ça sur tout le reste de l'étage. Moi je le fais pas pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, mais l'idée c'est qu'il faudra le faire bien sûr. Au niveau du deuxième étage, on va prendre le coin ici comme repère, on en met un bloc de béton ici sur la diagonale et on va partir de là. Donc on va faire une ligne entre ici et là de 4 blocs de béton. À côté on va mettre une ligne de 5 blocs de vitre, puis 3 blocs de béton, puis 2 blocs de rien du tout. Et 3 blocs de béton, et normalement vous avez juste un bloc d'écart par rapport au bord du mur. On va dans ce sens là et on va mettre une grande fenêtre ici de 6 blocs de large. Donc 6 blocs de vitre. Puis ici sur le côté on va faire une grande ligne de béton, du coup entre ici et là de 11 blocs de longueur au total. D'accord. On va laisser 2 blocs de marge. Et on va remettre une ligne jusque là de 4 blocs de béton. On va dans ce sens là, on remet 2 blocs de béton ici.
3 blocs de vitre, 2 blocs de béton. Et normalement, on est revenu à notre point de départ. Ouais, on a fait ce carré-là. Oh, c'est pas un carré, mais c'est... Bref. Donc, normalement, vous avez ce bloc-là. Entre ici et là, vous remettez 3 blocs de béton. 2 blocs de vide pour la porte. Et on remet une ligne ici de béton de 5 blocs. Hop. Ici, sur le côté, vous mettez 5 blocs de vitre. Et 2 blocs de béton sur le côté pour toucher le mur. Hop, à partir de là, jusque là, vous mettez 4 blocs de béton, 4 blocs de vitre et 2 blocs de béton. La même chose en face, 2 blocs de béton, 4 blocs de vitre, 3 blocs de béton par contre, ici, et on met juste un seul bloc de vitre entre ce bloc-là et ce bloc-là. Vous voyez comme ça, hein. Ok, donc normalement on est tout bon. Juste au niveau... Ici, tiens, j'avais mis un mur que jusque là. En fait, on va mettre le mur en quartz, comme ça aussi, jusque cette partie-là aussi, que j'avais pas fait. Voilà, donc pareil, hein, on monte après toutes ces choses-là jusqu'au plafond, on prolonge les vitres et tout ça, tac, 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 hop, hop, etc., etc., vous avez compris l'idée. Et au niveau du troisième étage, vous faites ça partout, bien sûr. Et au niveau du troisième étage, on va prendre, hop, comme point de repère, ici, là, vous voyez cette ligne-là. On va mettre derrière 3 blocs de vitre, hop, puis 2 blocs de béton, puis un bloc de vitre, 2 blocs de béton, ok, comme ça. Puis on va sur le devant, on met 2 blocs de béton ici aussi, 2 blocs de vitre. 3 blocs de béton, une entrée de 5 blocs et 4 blocs de béton. Jusqu'à ici, normalement, vous avez juste un bloc de marge par rapport au bord. Puis on va dans ce sens-là et entre ici et là, on a 4 blocs de béton. Et après, on n'a plus rien. Ok, donc voilà, on continue, on refait tout ça et on prolonge les blocs de béton comme ça et les vitres sur jusqu'au plafond. Allez hop. Ok, oui, alors, petite précision aussi, bien sûr, au-dessus des portes, on mettra des lignes de blocs de vitre. Hop, comme ça, vous voyez, hein, ici comme ça, ici aussi, on a de quoi passer en dessous, mais il y a quand même des vitres. Ok, bon, en tout cas, voilà ce que ça donne, hein, une fois que les murs sont mis, c'est un petit peu plus joli. Donc, on va mettre des blocs d'andésite poli par devant notre escalier, ici, comme ça, vous voyez. Tac, 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 on va creuser par devant d'aussi longtemps, enfin, aussi loin que vous le voulez. L'idée étant de rejoindre la route. Ok, grâce à ce petit, chemin, en fait, vous voyez la route qu'il y a sur votre ville où vous mettez la maison. Hop, voilà, donc on remplit tout ça avec de l'andésite poli et on fera la piscine juste après. Hop. Voilà, donc l'idée c'est qu'on va faire la piscine entre cette route là justement en andésite et le coin de la maison ici, comme ça, le bord de la maison. Hop, vous voyez, donc on va faire ça ici, vous voyez, dans le prolongement de la ligne de la maison ici jusque là. On va prendre des escaliers en quartz et on va le faire de 17 blocs de long sur 10 blocs de large. Hop, ok. Donc, on prend vraiment ici la ligne de la maison, ouais, sur le côté, tac, 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 jusque là. Et on compte donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et 10 blocs de long, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, et vous voyez, on est juste en dessous de la limite de la maison aussi au-dessus. Et puis, on fait comme ça le grand rectangle, hop, comme ça. Voilà, et ça va être l'emplacement de la piscine. Donc, au niveau des trous qu'on a mis, on peut directement mettre des escaliers en quartz. Hop, comme ça, tourner vers l'intérieur de la piscine. Hop. Ah, je loupais un petit morceau. Et après, on n'aura plus qu'à enlever la partie en terre ici. Vous voyez, on va creuser de 2 blocs de profondeur dans le sol. Comme ça, déjà un bloc sur la surface, bien sûr. Mais on va aussi creuser d'un deuxième bloc sur la profondeur pour pouvoir mettre du béton bleu. Allez, on enlève tout ça.
Hop, voilà, donc une fois qu'on a creusé de 2 blocs de profondeur, on va mettre du béton bleu au fond. Et hop, voilà. Hop, on n'y a plus qu'à remplir d'eau. Alors une fois qu'on a rempli d'eau, on va mettre des terrasses de part et d'autre de la piscine. C'est-à-dire qu'on va mettre une terrasse ici, vous voyez, dans la même largeur que la piscine, c'est-à-dire un peu comme si c'était dans le prolongement de la piscine. Et pareil de l'autre côté également. Donc on va utiliser des pierres noires, d'accord ? Des pierres noires, on va creuser dans le prolongement de la piscine ici comme ça, de 5 blocs de longueur sur toute la largeur de la piscine. Hop, comme ça, vous voyez. Donc on va utiliser des pierres noires pour mettre un contraste, vous voyez comme ça. Hop. Et l'idée aussi, c'est d'avoir cette petite terrasse là qui soit alignée avec l'entrée ici, vous voyez. L'entrée et la terrasse sont parfaitement alignées. Du coup, c'est cool. On va faire la même chose de l'autre côté ici, dans le prolongement de la piscine, entre là et sur 6 blocs de large, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs, et on va dans l'autre sens, comme ça, tac, 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 tac. Et donc toute cette petite zone-là, pareil, on l'enlève et on met des pierres noires à la place, tac, pour faire une petite terrasse, hop, hop, voilà. Ok, 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 donc... On va venir utiliser les escaliers en quartz ainsi qu'un bloc de quartz. Et on va prendre le milieu à peu près de la piscine. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs à partir du bord. On met un bloc ici, décalé d'un bloc par rapport à la terrasse, vous voyez. Et on va mettre des escaliers en quartz de part et d'autre comme ça pour soutenir la maison en fait. Ce sont des pilotis finalement. Des supports pour la maison pour que ça soit stylé, vous voyez. Et d'un seul coup, c'est déjà beaucoup plus intéressant au niveau de la silhouette globale de la maison d'avoir ce genre de truc. Alors, on va prendre les vitres et on va venir mettre des barrières de sécurité au niveau des terrasses, comme ça. Hop. Alors pour pas gêner le fait de pouvoir monter sur les escaliers, on va laisser 2 blocs de marge ici comme ça, en ne mettant pas de vitres, parce que si on mettait des vitres jusque là, vous voyez, ça gênerait l'escalier un petit peu. Donc on met 2 blocs ici devant l'escalier où il n'y a rien. Ici pareil, on en met voilà, 1,5. Hop, sur la terrasse du dessus, on va faire pareil. On s'aligne avec les murs ici et on prolonge par des vitres. Hop. Ici, on ne mettra rien, parce qu'il y a l'escalier de ce côté-là, donc on ne met rien. Hop, et ici, par contre, on peut complètement entourer la terrasse à ce niveau-là. Hop, on peut mettre des vitres partout ici. On va laisser genre 1, 2, 3 blocs de marge par rapport au bout ici, et on va mettre une ligne de vitres comme ça. Ça va nous permettre de mettre 2, 3 petits pots de fleurs et 2, 3 petits trucs sympas ici sur ce petit balcon. Voilà, donc ça avance pas mal. On va mettre des barrières en chêne noir ainsi que des feuilles. Alors les feuilles, peu importe le type de feuilles. Et sur le côté de l'escalier ici, on va mettre 1, 2 et 3 blocs de barrières avec des feuilles par-dessus. Histoire de donner un petit peu de végétation, vous voyez. On va faire la même chose sur l'arrière de la maison, ici, sur le grand mur en quartz, ici, vous voyez. Hop, on va mettre des barrières en bois, comme ça. Du coup, tous les deux blocs, hop, 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 enfin, tous les trois blocs, en fait, on va laisser 2 blocs d'espace entre chaque barrière, c'est ce que je voulais dire, ainsi que des, hop, feuilles par-dessus. Voilà. Alors, ici, sur l'arrière de la maison, ça va être assez sympa. Vous voyez ce qu'on va faire. En gros, on va faire une espèce de ligne comme ça qui va être composée de gravier et de cobblestone, donc de pierre hein, en bon français. Et on va faire des espèces de piliers en verre comme ça. Donc voilà, vous prenez vos graviers. On est combien ? 5 blocs de large. Et on dépasse de 4, 5, 6, 7 blocs de longueur. Ok.
On va creuser du coup à partir du coin ici, vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs en largeur. Et on va... À moins que ce soit 5. Voilà, oui, c'est 5. Donc 5 blocs en largeur. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Tac, tac, tac. Voilà. Comme ça, on est aligné avec la porte ici. Et pareil avec la terrasse qu'il y a là. Tac, tac, tac. Donc tout est aligné. On fait un trou comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs qui dépassent du mur en quartz ici. Hop, comme ça. Hop, voilà. Et donc toute cette zone-là, on va l'enlever et on va mettre du gravier et de la pierre de manière aléatoire dedans. C'est-à-dire que par exemple la pierre, on va mettre du gravier aussi. On va essayer de mettre à peu près 50-50% de gravier, 50% de pierre, placée de manière complètement bizarre comme ça. Ok ? Ça va nous permettre d'avoir un petit effet sympa, un petit effet mosaïque sur notre... C'est pas vraiment une terrasse du coup, c'est un petit jardin où on peut peut-être le qualifier comme ça. Enfin bref, vous voyez, ça fait joli, donc on le garde. Puis on prend les vitres noires et on vient les mettre sous le préau ici. Hop, tac, tac, deux vitres noires collées l'une sur l'autre. On laisse deux blocs d'espace et on remet un autre pilier ici comme ça. Et on les fait descendre jusqu'au sol. Hop, 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 comme ça. Voyez-vous. Hop. Et voilà. Alors maintenant, on va prendre les... plaques de pression en fer ou les plaques de pression pondérées lourdes, ok, et on va les mettre ici sur le côté de notre escalier. Vous voyez, comme ça, hein, on va laisser un bloc de marge ici, deux blocs de marge par rapport à la terrasse, et on va faire comme ça, tac 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 tac. On va mettre les plaques jusque devant l'entrée ici, et on va faire ça comme ça. Vous voyez, donc on va mettre 1, 2, 3, 4, 5 blocs comme ça de plaques. On va les mettre après entre là et là sur 13 blocs de longueur, et après on les reprolonge jusqu'à la porte ici, porte qui n'a pas de porte d'ailleurs. Tac tac. Vous voyez, c'est tout de suite beaucoup plus soigné. On va venir reprendre les barrières en chêne noire ainsi que les feuilles. Et on va venir ici sur le côté de la maison. Vous voyez, on va compter 1, 2, 3 blocs d'écart. Et on va mettre 2 ou 3 blocs de barrière, je ne sais plus. C'est 2 ou 3 blocs, c'est 3 blocs. 3 blocs de barrière, comme ça. On va l'espacer donc de 1, 2, 3 et... Donc 3 blocs, et on va remettre 3 blocs de barrière comme ça. Donc 1, 2, 3, paf, paf, paf. Ok. Vous voyez, par-dessus, on va rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de feuilles, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, et bien vous voyez, ça commence à prendre forme, notre petite maison. Après, vraiment pour les finitions de la maison, hop, on peut mettre ici, par exemple, des escaliers en quartz autour d'une table. Que là pour le coup, la table, je l'ai fait en tapis, voyez-vous, avec des ficelles en dessous pour faire tenir les tapis en l'air. Et du coup, bah voilà, des escaliers autour pour pouvoir faire une petite table de pique-nique. Un petit transat à côté avec un escalier et une dalle. L'idée de mettre des escaliers, des dalles en quartz, c'est parce que comme le sol est noir et que le quartz est blanc, bah ça nous fait un contraste très très fort, et donc ça rejoint un peu le style de la maison. De l'autre côté, pareil, des transats du même style derrière, ok. Hop, au-dessus, par contre, sur la maison, ça va être différent. Vu que le sol de la maison est blanc, eh bien, on va utiliser des escaliers en pierre noire pour pouvoir faire des tables et des transats et tout ça. D'accord ? Table de la même façon, juste utiliser des barrières en chêne noire pour
pour faire la table ici. Et pareil, on peut mettre des transats comme ça aussi. Est-ce que j'ai des transats en... Est-ce que j'ai des dalles en pierre noire? Voilà, ici, comme ça. Ok. Et voilà, utiliser le noir sur le blanc sur la maison et utiliser des trucs blancs sur fond noir sur les terrasses au sol. Voilà, c'est la petite astuce. Ici, quelques petits arbustes comme on a mis sur le côté de la maison. Et sur le toit, le classico classique, les capteurs de lumière. Ok. On peut mettre comme ça, donc sur 6 blocs de long, sur 2 blocs de large. Et ici, voilà, une grande... grand truc avec des feuilles. grande végétation, voilà. Et puis, on est pas mal. Voilà. Sur ce, eh bien, on se retrouvera la prochaine fois pour le prochain tutoriel du fameux mois avec une vidéo par jour sur le mois de juin. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous souhaite à tous un très bon jeu. Hop. Tac, tac. Très bon jeu à tous. Bon voir matelot. Et à la prochaine.